السلام عليكم ورحمة الله. ضيفة حلقة بودكاست صوفيا هذه المرة هي السيدة كريمة غزواني، أستاذة جامعية في جامعة محمد الخامس. عندها واحد المسار دراسي متميز جدا، فمن بعد الانقطاع ديالها عن الدراسة لأسباب شخصية في فرنسا رجعت وخدات الدكتوراه ديالها في مجال الاقتصاد، والتحقت من بعد بجامعة محمد الخامس كمدرسة وكأستاذة جامعية. وهنا من بين الأشياء اللي كانت سهرت عليهم هو إقحام مجال ديال خلق المقاولات أو ريادة الأعمال في بروغرام ديال ليزاتود سوبيريور في جامعة محمد الخامس. فهذا كيمكن الطلبة من أنهم يتعلموا الأساسيات ديال خلق المقاولات وكذلك لينوفاسيون لا كرياتيفيتي وكذلك الانفتاح على سوق العمل وعلى الشركات وعلى متطلبات السوق. وناقشنا مجموعة من المواضيع عندها علاقة بخصوص بميدان التعليم والانفتاح ديال الجامعة المغربية على سوق العمل وعلى ريادة الأعمال. نتمنى الحلقة تعجبكم، ما تنسوش أن البودكاست كاين في يوتيوب سبوتيفاي اند جوجل بودكاست، وعلى بركة الله فنبدأ الحلقة ديالنا. So, مدام كريمة مرحبا بك معنا في بودكاست صوفيا. شكرا. مدام كريمة، j'ai eu la chance de vous rencontrer semaine dernière au forum génie des entreprises et رديت البال للديناميزم ديالكم وديال ولا ديفومون وحتى الانفولفمنت ديالك في لي اكتيفيتي ديال لونيفرسيتي محمد 5، وقررت انفيتك معايا في بودكاست وحصل لي الشرف انك اكسبتيتي الانفيتاسيون ديالي، فمرحبا بك مره اخرى. Avec grand plaisir, merci beaucoup. بارك الله فيك. مدام كريمة، غادي نطلب منك في الاول تقدم نفسك الى كان ممكن. السلام عليكم، انا كريمة غزواني، دونك je suis enseignante في لونيفرسيتي محمد 5 depuis 2007 je crois. Mon profil, moi, donc je suis gestionnaire, j'ai un doctorat en gestion, j'ai étudié en licence et en maîtrise à l'époque, ça ne s'appelait pas des masters, c'était des maîtrises, à l'université Lyon 2, France. Bon, on a en Maribia, évidemment, au Kibert Fermarib, mais après mon bac, je suis à Lyon. Et donc, une licence en économie, et puis une maîtrise en économie monétaire, financière et bancaire. Benbed, je vous raconte un peu mon parcours. Oui, ça, c'est intéressant pour nous. D'accord. Après l'année de mon master, donc, je me suis mariée. En fait, j'ai rencontré le père de mes enfants. Donc, j'ai arrêté mes études. Je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant et quand elle a grandi un petit peu, j'ai décidé de reprendre mes études parce qu'en fait, c'était vraiment mon ambition était de faire une carrière professionnelle, de m'épanouir dans mon travail. Et puis, la vie a fait que mon parcours, il a été un petit peu détourné pendant un moment et je suis donc revenue à l'université au Maroc. Et j'ai fait mon troisième cycle, quand ma fille a un peu grandi, j'ai fait un troisième cycle en politique économique. À l'époque, on habitait sur Fès. Et ensuite, je me suis inscrite en doctorat. Et en doctorat, je me suis inscrite dans le domaine de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat des femmes dans l'industrie. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat et pourquoi des femmes dans l'industrie? Parce que durant mes études en troisième cycle, j'avais rencontré un professeur magnifique, la Rahmo, qui s'appelait Salah Haddin, et il m'avait demandé de travailler sur l'entrepreneuriat des femmes au Maghreb, à l'époque. Donc, je ne suis pas toute jeune, hein, donc ça fait bien longtemps. Et ce sujet m'avait passionnée, de voir quelle était la place des femmes dans le développement économique des pays du Maghreb. Et c'était très intéressant. Après, j'ai eu l'opportunité aussi de travailler dans le cadre associatif sur une étude de la place des femmes dans les postes de décision. Est-ce que la femme marocaine intervient dans la prise de décision du fait de sa position justement dans des postes décisionnels? Et ça, tout ça m'a beaucoup interpellée. Ouais. Et depuis, je n'ai plus arrêté de travailler sur l'entrepreneuriat parce que c'était un vaste sujet et de la place des femmes dans le développement, donc les femmes actives, leur place, est-ce qu'elles avaient la capacité de faire changer les choses ou pas.
Et depuis, je suis restée très investie en entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je suis enseignante dans une des trois facultés d'économie et de droit de l'Université Mohamed V, la fac de Salé. Et j'enseigne donc toutes les matières, évidemment, de gestion, management, marketing, tout ça. Mais j'ai choisi de m'investir dans l'entrepreneuriat au niveau de l'université pour développer la culture de l'entrepreneuriat depuis 2008. Wow. Voilà un petit peu après, je ne sais pas si vous voulez plus de détails, vous me direz. Oui, c'est sûr. Tabarkallah alik bda, tabarkallah, un grand parcours. الحاجة اللي عجبتني في الأول هو لو فات أنك يعني واخا تزوجتي وقفتي واحد الوقيته ظروف شخصية من بعد رجعتي باش تعاودي تكملي القراية ديالك. Ah, مهمة وي مهمة سي سي تري انتريسون. وي هو غير وأنا السؤال ديالي اللي عندي سمحي لي بزاف غير ما فهمتش شنو هو التخوازيام سيكل و À l'époque, le système, c'était, on faisait une licence, on faisait une maîtrise, ça s'appelait une maîtrise, et après, on devait faire un troisième cycle, c'était un certificat d'études supérieures, donc au Maroc, ça s'appelait les CES, c'était comme ça, troisième cycle, et on faisait deux ans, CES 1, CES 2, et on s'inscrivait en doctorat. Et à chaque fois, on devait choisir donc, une spécialité, donc le CES, ben, j'avais choisi politique économique. Et puis ensuite, aide, on nous autorisait à nous inscrire dans le cycle doctoral et on avait 3 ans ou 5 ans pour, jusqu'à 5 ans pour soutenir sa thèse qui était un doctorat. Alors, bien sûr, comme j'ai arrêté les études pendant un certain temps, je suis tombée exactement dans la réforme en fait, il y a les UFR. Donc, en fait, ça m'a un peu retardée aussi parce qu'après, c'était un nouveau système. Donc, bref. Je vous passe les détails. L'hassel, j'ai réussi à soutenir mon doctorat et j'ai passé les concours. Je suis rentrée dans la fonction publique un peu tard, un peu tard. D'accord, c'est intéressant. L'autre chose que j'ai aimé, c'est que en 2008, vous êtes engagé en fait dans l'encouragement à l'entrepreneuriat au sein de l'université Mohamed V. وهذه حاجة مهمة بزاف لأن الحاجة اللي عجبتني au niveau de l'université واللي لاحظتها خصوصا في السنوات الأخيرة هو ولات منفتحة beaucoup plus ouverte على l'entrepreneuriat على les entreprises بصفة عامة لأن ما غاديش نهضر فقط على l'entrepreneuriat حتى زعما لو فات أن l'entreprise ولات كتجي l'université ولات l'université كتفهم شنو هو لو بيزوان ديال l'entreprise وي دونك لا سا شونج ان بتي بو لا فورماسيون ديال Au niveau complètement, de l'université. Complètement, absolument. Alors en fait, en 2008, j'ai eu l'opportunité d'être formée sur un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'était d'améliorer un peu le profil des lauréats de l'université publique qui avaient quand même, à part, je parle vraiment des établissements accès ouvert parce que vous êtes de l'ENSIAS, donc c'est une école très prestigieuse et puis les écoles sont des structures à accès régulé. Donc d'abord, c'est les meilleurs qui peuvent s'inscrire. Moi, je parle vraiment de l'université publique, accès libre, tout le monde vient, ceux qui sont convaincus d'étudier, ceux qui sont là mais ils ne savent pas pourquoi, c'est à défaut de faire autre chose. Donc, on a une masse d'étudiants très importante, les effectifs, il y a une forte massification des effectifs d'année en année, donc on a des conditions plus difficiles d'enseignement et on a très peu d'interactions puisque les amphis amrin, c'est très difficile d'interagir. Donc, c'était de l'enseignement transmissif. On parle tout seul, c'est des monologues. Ça n'avait pas beaucoup d'impact sur les étudiants, en tout cas pour développer leurs compétences autres que de spécialité ou discipline. C'est-à-dire au niveau technique, ils peuvent être très bons parce qu'ils vont travailler sur leurs cours, etc. Mais il leur manquait beaucoup de choses, tout ce qui est la communication, tout ce qui est l'argumentation, défendre un point de vue… Avoir un avis sur un sujet, échanger avec l'autre, essayer de convaincre, essayer d'être convaincu, de pas rester sur sa position parce que quelqu'un est en train d'essayer de nous aider à analyser différemment, etc. Tout ça, c'est des choses qu'ils ne pratiquent pas dans les établissements à accès ouvert. Donc, il était important
de leur donner l'occasion de travailler sur ces capacités qu'on appelle transversales, en fait. C'est des capacités, des aptitudes que nous, on appelle entrepreneuriales parce qu'il s'agit aussi bien de l'autonomie ou de développer le sens de la responsabilité, de l'engagement, la prise d'initiative. Vous voyez ? Donc, tout ça, ils n'avaient aucune occasion de développer ces éléments-là. Et donc, quand ils allaient sur le marché de l'emploi, l'entreprise disait, mais en fait, ils ne sont pas du tout opérationnels, il faut les reformer, il faut… Donc, c'était vraiment une problématique de l'épanouissement du jeune d'abord dans son cursus, mais aussi sa capacité et son employabilité. Et quand même, c'est un sujet important. Donc, à l'époque, déjà, il commençait à avoir une réflexion de dire il va falloir qu'on change un peu les choses. Donc, on a commencé à faire un peu de la méthodologie aussi, comment étudier à l'université, etc. Donc, il commençait à avoir des choses nouvelles. Et le ministère, à cette époque-là, avait fait l'évaluation des filières de formation. Et il avait, on était ressorti avec le constat qu'il manquait à ces étudiants lauréats de l'université publique toutes ces capacités transversales que sont l'entrepreneuriat, que sont les langues et la communication, l'usage des nouvelles technologies de l'information à l'époque, donc ça commençait à être très important aussi. Il avait été décidé d'introduire des modules transversaux qu'on allait inclure dans toutes les filières de formation, tous les établissements, les médecins, les pharmaciens, les littéraires, tout le monde devait faire de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'investir. On a été formés, certifiés par le Bureau international du travail et on a commencé à essayer d'implémenter ce programme à tous les étudiants qui s'inscrivaient dans une université publique marocaine devaient faire au moins 30 heures d'entrepreneuriat et 30 heures de toutes les autres filières dont je vous ai parlé, tous les autres modules transversaux. Oui. Et donc, nous, on s'est engagés sur ce volet entrepreneuriat. Donc, je m'étais beaucoup investie aussi à faire de la formation de formateur puisque j'avais été certifiée avec d'autres collègues et on a commencé à faire de la formation de formateur pour constituer une communauté de référents en entrepreneuriat dans tous les établissements. Qu'un médecin puisse enseigner l'entrepreneuriat à un médecin, qu'un littéraire puisse enseigner l'entrepreneuriat à des profils littéraires. Parce que nous, en tant que gestionnaire, quand on se déplaçait dans les établissements pour faire de l'entrepreneuriat, bon, ils nous écoutaient, ça les intéressait, mais ils ne se sentaient pas complètement investis parce qu'ils disaient « c'est normal, vous êtes gestionnaire, donc c'est normal que vous enseignez l'entrepreneuriat, vous êtes dans le management, etc. » Exactement. Donc, on s'est dit qu'il faut former des gens pour qu'ils se reconnaissent dans la formation. Il faut que ce soit un médecin qui lui enseigne l'entrepreneuriat. Et on a constitué tout un réseau de 80 enseignants de l'Université Mohamed V, tout établissement confondu, qui ensemble ont commencé à essayer de développer cette culture, déjà parce que c'est un état d'esprit, un mindset qu'il fallait développer auprès des étudiants, mais aussi auprès des enseignants. Parce que quand on leur disait « il faut parler entrepreneuriat, il faut qu'ils connaissent l'entreprise avant de quitter l'université », beaucoup d'enseignants n'étaient pas OK avec ça. Ils disaient « ce n'est pas notre problème ni notre sujet, l'employabilité, l'insertion des jeunes, ce sera plus tard. Nous, on a une mission de transmettre de la connaissance, etc. etc. » Donc, il fallait qu'on arrive à convaincre aussi les enseignants. Donc, on a fait un travail en parallèle de sensibiliser les enseignants en les formant en tant que formateurs et en tant qu'enseignants en entrepreneuriat et déployer ce module pour permettre à tous les étudiants de développer ses capacités, ses aptitudes et ses compétences entrepreneuriales qui leur sont utiles dans leur quotidien, aussi bien personnel que professionnel. Et du coup, ils découvraient l'entreprise parce que les intervenants étaient des professionnels des entreprises qui sont partenaires de l'université. Et donc, tout l'écosystème commençait à rentrer dans l'université. C'est-à-dire se familiariser, se rencontrer, échanger et comprendre quelles sont les attentes de l'entreprise. Donc, tout à l'heure, vous parliez de l'ouverture de l'université. C'est vraiment depuis cette époque-là qu'on a commencé à vraiment se côtoyer de manière plus régulière. Ouais. Et c'est ça qui a fait la différence. Et c'est comme ça que l'université a quand même été pionnière, notre université avec deux autres, pionnière dans cette ouverture sur l'écosystème, cette collaboration proche avec l'entreprise.
qui a vraiment complètement changé l'état d'esprit dans l'université et une meilleure connaissance les uns des autres, une meilleure confiance les uns des autres. Et puis, quand vous vous côtoyez, vous comprenez quelles sont les attentes. Donc, l'étudiant exact. Qui rencontre l'entreprise, du coup, il sait ce qu'elle attend de lui. Il faut que cet étudiant, quand il se présente pour être recruté, qu'il ait des choses à proposer. Et c'est aussi une prise de conscience de l'étudiant qu'il doit être opérationnel. Donc, s'intéresser aux attentes de l'entreprise par des stages, découvrir le milieu, se familiariser, etc. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que l'aventure de l'entrepreneuriat a démarré dans notre université et les autres universités publiques. Par ce module transversal. Parce que c'est un travail énorme, j'imagine. Déjà, une nouvelle idée, en fait, ou une nouvelle méthodologie, de la résilience, c'est sûr. Donc, il y aura certainement des gens qui sont pas hostiles à l'idée. Donc, c'est un travail énorme. En plus, l'esprit des étudiants, en fait, parce qu'ils apprennent des soft skills, l'entreprise, c'est pas évident aussi, j'imagine. Et surtout au niveau des facultés, et tout, c'est un peu difficile. Il y en a qui ont un mélange, un grand nombre d'étudiants, c'est pas un truc vraiment que l'on pourrait maîtriser vraiment facilement. Donc, j'imagine que c'est un énorme travail. À l'époque, à cette époque-là, vous devez le savoir, je ne connais pas votre âge, mais peut-être quand même que vous savez un peu cet état d'esprit au Maroc. Les jeunes, jusqu'à très récemment, pour eux, l'insertion, c'était le fonctionnariat. Donc, il fallait que l'État les recrute. Et donc, quand on venait leur parler d'entreprise ou d'entrepreneuriat, ils disaient « Non, nous, on veut être fonctionnaires, on veut que l'État nous recrute. » Donc, il a fallu travailler aussi sur cette mentalité de dire que finalement, l'ascension sociale, comment est-ce qu'on évolue dans la vie, c'est parce qu'on est fonctionnaire. Donc, on a l'assurance de l'emploi, etc. Et ça a été très dur à changer aussi dans l'état d'esprit des étudiants et de leurs parents, surtout. Les parents, je confirme, mais en fait, pour nous, ce n'était pas le cas. En fait. Au contraire, on était trop intéressés par l'entrepreneuriat. Et je me rappelle qu'à l'ENSEAS, on avait un projet carrément qui était projet de création d'entreprise. On deuxième année tout. Absolument. Vous savez que les écoles d'ingénieurs, vous êtes les premiers à avoir introduit le module entrepreneuriat. Je me rappelle très, très bien à l'ENSEAS. C'était un projet européen. À l'époque Tempus, donc le programme Tempus, qui avait été financé et l'ENSEAS faisait partie de ce consortium. Et je me rappelle très, très bien de cette époque-là où le premier travail qui a été fait sur cette réflexion de l'entrepreneuriat dans l'école d'ingénieurs, c'était à l'ENSEAS, oui, absolument. D'accord, donc nous, on est un peu déjà ouverts à ça. Et franchement, la fonction publique, ça ne nous tentait pas du tout. Donc, on était plutôt ouvert sur dans les facultés. Oui, j'imagine que dans les facultés, ça va être un peu différent. Oui, c'est différent. Ouais. Parce que quand tu vois l'insan, quand tu sors, tu te rends compte que c'est sans droit, bien sûr. Ils veulent que ça. L'entrepreneuriat. Exactement. Voilà. La motivation, elle n'est pas toujours louable, mais le mohim. En tout cas, ça reste leur droit. C'est juste que l'insan, quand il apprend qu'il y a d'autres pistes qu'il pourrait suivre, ou radir de l'eau, si je n'ai aucun conscient. Dans l'université, dans ce sens. Si vous permettez, en fait, moi je dis que finalement, le choix est personnel, comme vous dites, et. L'essentiel dans la vie, c'est de s'épanouir dans le choix qu'on fait. Le mouhim, c'est parce que la réussite, finalement, on ne peut réussir que ce qu'on aime. Donc, il faut que le choix soit réfléchi et que ce soit son choix personnel pour pouvoir s'épanouir parce qu'on va bosser tous les jours et on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Donc, vous imaginez quelqu'un qui fait un boulot qu'il n'aime pas, mais c'est la déprime, c'est très difficile, j'imagine en tout cas. Moi, je n'imagine pas faire un travail pour lequel je ne passionne pas. C'est peut-être un luxe aussi, mais en tout cas, quand on est jeune et qu'il faut choisir, quelque chose qui nous épanouit. Et puis, il y a d'autres raisons, évidemment, qui font que les jeunes doivent aussi être prêts
à créer leur propre emploi pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là. Ce que oui, c'est sûr. Oui, j'aimerais bien. Oui, alors en fait, la problématique depuis quelques années par rapport aux jeunes au Maroc, c'est qu'il y a des réalités qu'on ne peut pas occulter. On est obligé d'en tenir compte. C'est le tissu économique marocain. Nous avons très peu d'entreprises. Nous avons essentiellement des TPE et quelques PME. Elles ne sont pas en capacité d'absorber la masse de diplômés qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu une très forte évolution du nombre de diplômés qui sortent des universités depuis quelques années, et le tissu économique actuel n'est pas en mesure d'absorber cette quantité de diplômés, et ni de les payer à leur niveau éducationnel et le niveau de leur diplôme. Donc, c'est une problématique concrète. Il est nécessaire, selon nous, qu'un étudiant qui quitte l'université soit capable, dans le cas où il ne trouverait pas l'emploi auquel il aspire, par exemple être salarié d'une entreprise, s'il n'arrive pas à atteindre cet objectif-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il soit outillé pour, de manière transitoire ou de manière définitive, aller vers l'auto-emploi, vers la création de son propre emploi, pour ne pas être au chômage, pour subvenir à ses besoins, pour payer son loyer, manger, se nourrir, voyez. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est beaucoup investi, pas pour dire tous les étudiants doivent être des étudiants entrepreneurs, c'est juste pour dire si un étudiant qui va sur le marché de l'emploi ne parvient pas à s'insérer par le salariat ou le fonctionnariat, il doit avoir une autre alternative. Et il est de notre responsabilité, en tout cas moi je le pense foncièrement, il est de notre responsabilité qu'un étudiant puisse sortir avec un diplôme et un savoir-faire au cas où il aurait besoin de créer son emploi, qu'il ait déjà expérimenté la démarche entrepreneuriale. Oui. Si demain je dois créer mon emploi, comment je fais? Et ça c'est une capacité, c'est un savoir-faire qu'il doit avoir avant de quitter l'université. Pour deux raisons. D'abord, pour solutionner une problématique éventuelle où il se retrouverait au chômage. Oui. Et deuxièmement, même s'il ne crée pas son entreprise, il va être capable de proposer des choses à la société qui le recrutera parce qu'il aura développé ses capacités. J'ai développé mon sens de l'observation, je sais analyser une situation, je sais éventuellement aller être créatif et un peu innovant pour développer ou faire évoluer un produit, pour aller investir un nouveau marché, faire une étude de marché, faire un suivi pour voir si je dois faire évoluer mon produit parce qu'il y a des nouveaux concurrents, etc., etc. Donc, c'est une attitude, une manière d'être qui est à l'écoute de ce qui se passe, du marché sur lequel on travaille, etc., même si je suis salarié. Donc, être entreprenant ou être entrepreneur, ce sont des choses indispensables pour un jeune qui veut s'épanouir dans sa vie et peut-être même changer, comme on disait le jour du forum chez vous à l'ENSIAS, cette génération, vous aurez plusieurs métiers. Et puis, à la limite, on peut tout expérimenter, le salariat, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, reprendre une entreprise familiale. Il y a quantité de choses qu'on peut faire pour s'épanouir. On n'est pas obligé d'avoir un métier toute sa vie. Donc, l'essentiel, c'est d'être capable de tout faire. Tout ce qu'on a envie de faire, on a été outillé pour le faire. Et c'est vraiment ça notre motivation aujourd'hui à l'université. Si on a investi en entrepreneuriat, si on a développé autant de choses jusqu'au statut de l'étudiant entrepreneur, c'est vraiment dans cet objectif qu'un étudiant qui sorte est capable de faire face à toutes les situations. Ouais, franchement, bravo, parce que je sais que c'était un long combat. Déjà, qu'est-ce qu'on dit le statut de... Pardon ? Voilà, c'était ça. C'était juste de dire qu'on a vraiment été au bout de l'idée de l'entrepreneuriat à l'université jusqu'à reconnaître le statut d'un étudiant à l'université qui étudie, qui entreprend en même temps. Et qui a droit à être accompagné dans justement ce travail de
sur une initiative entrepreneuriale. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire pour dans l'université publique marocaine. On a réussi à faire ça avec le ministère. Donc ça a fait l'objet d'une circulaire ministérielle et je trouve que c'est assez exceptionnel quand même pour les jeunes parce que là, franchement, ils quittent l'université en étant correctement outillés avec un diplôme et un savoir-faire et des compétences dans le domaine qu'ils ont choisi, mais aussi pour se débrouiller dans la vie avec toutes ces compétences transversales très utiles et indispensables, je crois, aujourd'hui. Oui, oui ça, c'est sûr. C'est indispensable, comme vous l'avez dit. صراحة خدمة تبارك الله عليكم كيف قلت لك زوينة بزاف الحاجة اللي مهمة هي هذه القضية ديال ستاتيو ديال اتيدون انتربرونور باسكو ماتنون جو سي با سي لي جون سون زعما او كورون هذا الشيء ولكن دابا مثلا ممكن ان اتيدون يدخل مثلا لونيفرسيتي ويخرج بحال تقريبا بحال لونتربريز ديالو واجدة و Exactement. Je pense même, il y a des fois, j'ai entendu dire que, par exemple, à l'NCS, même qu'il mette un étudiant, il prend dame, il n'y a plus le cycle dialogue de formation, elle a maintenant une fikra dial mchro, ou flchar dial les trois ans, 12, ça m'a eu le projet de fin d'études dial, elle a l'entreprise. Oui, 12 par la suite, il y a des choses. Absolument. Oui. Donc, alors, il y a deux choses. Il y a au niveau de. Donc, des universités, en fait, ce n'est pas des universités, c'est tout établissement d'enseignement supérieur, public ou privé, peut implémenter le statut de l'étudiant entrepreneur parce que ça a fait l'objet d'une circulaire ministérielle en décembre 2018 qui autorise tout étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur donc d'adhérer à ce statut, de dire je suis étudiant entrepreneur, je voudrais avoir du temps pour travailler sur mon projet de création d'entreprise et j'ai besoin d'être accompagné par des experts académiques mais aussi par des professionnels et je voudrais que ce travail-là soit intégré dans mon cursus. Donc par exemple nous dans les facs d'éco-droit, dans les facs de lettres, partout, ça peut être substitué au PFE comme vous avez dit. Oui. Ça peut être substitué à la période de stage. Bon, dans les écoles d'ingénieurs, ce ne serait pas très intéressant de ne pas faire le stage et de faire juste la création d'entreprise. Quelqu'un de très motivé va faire les deux parce que le stage est aussi très important. Mais dans d'autres cursus, autres que les élèves ingénieurs, des fois, le stage, ils passent leur temps à faire des photocopies et à servir le café. Donc, tant qu'à faire, autant… travailler sur son projet et lui-même prendre des stagiaires dans sa start-up. Donc, ça, c'est plus intéressant pour eux. Donc, ça, c'est le premier point. C'est ce statut auquel on peut adhérer et l'université met à disposition de l'accompagnement. Alors, on a fait une expérience pilote avec deux universités, l'université Mohamed V et l'université Hassan II. On est à l'université Mohamed V, on est à la quatrième promotion sur le statut et l'intention du ministère était de transférer donc le modèle du statut de l'étudiant entrepreneur dans toutes les universités qui souhaiteraient le faire. Donc, Inch'Allah, on va bientôt rencontrer, j'espère, le nouveau ministre et on va voir si la stratégie va rester la même de transfert dans tous les établissements d'enseignement supérieur, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, et voir un peu la stratégie de notre nouveau ministre. Vous, au niveau de l'ENSIAS, vous avez été encore plus loin avec Madame Barada, qui a choisi de décliner un parcours de l'ingénieur entrepreneur. Et effectivement, depuis cette année, il y a une filière qui a été accréditée qui permet à l'élève ingénieur, pendant ses études, de choisir ce parcours d'être entrepreneur. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est, je crois, une première expérience au Maroc, dans une école d'ingénieurs. Et ce serait super intéressant parce que le Maroc compte beaucoup sur les élèves ingénieurs pour créer des entreprises et recruter aussi les autres. Donc, ça créerait une dynamique nouvelle parce que vous savez que les ingénieurs ne créent pas beaucoup d'entreprises. Je ne sais pas, à vrai dire. On a vraiment. Ouais, en fait, c'est une réalité et ce serait vraiment bien que
Peut-être que la tendance est en train de changer maintenant, parce que je vois que beaucoup d'entre vous ont créé des sociétés. Oui, ça bouge, oui, ça bouge. Mais c'est un nouveau mouvement. Ouais, c'est vraiment un nouveau mouvement. Ouais. Mais c'est une très bonne nouvelle. C'est bien en fait. Donc, alors, d'abord, c'est un petit peu les fruits de le travail qui a été fait auparavant. On va quand je fais d'abord les fruits de et on verra plus tard, aussi, Inch'Allah, les fruits du travail. Que... Inch'Allah, c'est sûr. Hachali, quand vous êtes sous le calame, Madame Karima, c'est quand vous parlez de partenaires, c'est quel type de, oui. de partenaires? Wesh, maintenant des incubateurs, wesh, des banques, par alors, exemple. Oui. Alors, habituellement, l'université, on avait comme partenaire les entreprises, donc les grandes entreprises, on avait les banques, pour la simple raison que dans les filières de formation, vous savez que depuis pas mal d'années déjà, une dizaine d'années ou même plus, on a introduit les licences professionnelles dans les établissements. Et qui dit licence professionnelle, c'est formation à un métier. Donc, on répondait à une demande, par exemple, pour… les sociétés qui venaient s'installer dans les zones offshore ou donc qui délocalisaient, donc ils avaient besoin de profils, par exemple bancaires. Donc on a développé des filières dans le domaine bancaire ou dans différents domaines. Ces licences professionnelles ont nécessité la participation de professionnels du domaine pour décliner le cursus de la licence ou de la formation master spécialisée. On devait savoir quelles étaient les attentes de l'entreprise, donc ils contribuaient à la construction du programme. Et c'est comme ça que le rapprochement s'est beaucoup fait aussi pour ces licences pro et ces masters spécialisés. Mais aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, on a tous les secteurs d'activité qui intéressent l'université, parce que les centres de recherche, les laboratoires qui se trouvent dans les différents établissements travaillent sur tous les sujets. On travaille dans la chimie, dans la physique, dans les énergies renouvelables, le génie électrique, je ne sais quoi. Il y a tous les domaines possibles et imaginables sont présents dans les laboratoires de recherche. Donc, on doit travailler avec les entreprises de tous ces secteurs d'activité, de toutes ces spécialités. Alors, il y a eu une stratégie au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie il y a quelques années, de la création de clusters industriels. Et ces clusters industriels ont vraiment beaucoup aidé, bon, c'est très récent, mais ça a beaucoup aidé le rapprochement avec l'université, puisque dans un cluster, il y a donc toutes les industries du domaine, donc par exemple le cluster des services industriels environnementaux, donc tout ce qui touche au green, etc., plus des universités, donc des structures académiques. Donc, dans le cluster, il y a déjà cette proximité entre l'industrie et l'académique, puisqu'on est partenaire du cluster et les industries et les entreprises sont partenaires du cluster aussi. Donc, on a commencé à développer… Donc, on est partenaire du cluster, donc on se rencontre avec les industriels. Donc, on échange, donc on parle. Des filières nouvelles se développent parce qu'on entend qu'il y a un besoin et qu'ils veulent recruter dans tel domaine. Il y a des secteurs stratégiques qui sont identifiés par le ministère. Donc, on développe des filières pour avoir les profils adéquats pour accompagner justement l'implémentation de ces secteurs et positionner ces secteurs au niveau du Maroc. Donc, vous avez bien vu l'automobile, l'aéronautique. On suit la tendance, les énergies renouvelables. Donc, les filières se développent, la proximité avec les industries du même domaine se rapproche parce qu'on développe des curricula ensemble. Il y a aussi au niveau de la recherche, de la co-recherche, donc les entreprises qui financent de la recherche utile pour eux. Donc, même la recherche fondamentale, elle est super importante, évidemment, mais on parle beaucoup de la recherche appliquée. On parle de la recherche orientée marché, une problématique qui essaie d'être solutionnée par des chercheurs. Donc, tout est en train d'évoluer à tel point qu'aujourd'hui, à l'université, on dit il n'y a pas que recherche et formation. Il y a aussi une troisième mission qui est ce transfert technologique ou transfert de connaissances vers l'entreprise. Et c'est important pour plusieurs raisons. C'est d'abord…
pour faire évoluer les choses au Maroc et positionner le Maroc dans les chaînes de valeur mondiale, mais aussi pour permettre cette compétitivité, c'est-à-dire on aide l'entreprise à être plus compétitive parce qu'elle elle va introduire de l'innovation. Toute la recherche va être transformée en des process ou des produits pour l'entreprise, si bien que l'entreprise marocaine peut se positionner mieux. Et le rôle de l'université est essentiel. On parlait depuis tout à l'heure de l'écosystème, de l'ouverture de l'université sur l'écosystème. Vous savez, l'université, elle est finalement au centre de cet écosystème parce qu'elle a, elle a beaucoup à donner. Elle, elle donne des lauréats, des profils pour l'entreprise, mais elle donne aussi tout un vivier de connaissances, de pistes d'innovation super importantes pour les industriels et dans tous les métiers, dans tous les secteurs. Donc, c'est ensemble qu'on peut construire le développement du Maroc. Oui, c'est sûr. J'ai juste une question par rapport à ça, en fait. D'abord, une limite, c'est de l'ouverture à les entreprises ou quoi. Je ne sais pas si vous avez des chiffres là, mais wesh, ça a influencé positivement le taux d'insertion, la satisfaction des entreprises. Je vais dire le suivi des partenaires pour savoir s'ils sont satisfaits de les gens. Parce que là, je vais mettre une salle à l'université orientée vers le métier que je cherche. Donc, il va être beaucoup plus opérationnel, plus rapidement que j'aime l'université ou je sais pas le métier. Donc, qu'est-ce qu'il y a des... Absolument. Vous savez, malheureusement, l'impact n'est pas encore au niveau qu'on souhaiterait. Ça ne touche pas une masse suffisamment importante. Mais par exemple, si on revient à l'expérience des licences professionnelles, quand on nous a dit on a besoin de 500 personnes par an formées dans les techniques de la banque ou dans des chargés de clientèle bancaire ou, vous savez, pour l'époque de l'offshoring, etc., c'était des promotions qui étaient complètement recrutées à la fin. Parce que c'était comme une commande, en fait. Ouais. Donc, le marché existait. Nous, on formait. Quand ils étaient diplômés, ils étaient immédiatement insérés. Parce qu'avant même qu'ils soient diplômés, il y avait les concours, soit des banques, soit des entreprises qui étaient là, étrangères ou marocaines, qui leur faisaient passer des concours et alors qu'ils n'avaient même pas encore passé leurs examens ni eu leur diplôme, ils avaient déjà identifié les bons profils et donc ils étaient immédiatement recrutés. Maintenant, sans ces commandes spécifiées et lancées dans un secteur d'activité précis, bon, je sais que ça existe aujourd'hui dans l'automobile, dans l'aéronautique, il y a par exemple des filières d'aéronautique qui ont été développées ensemble avec l'industrie aéronautique parce qu'il y a des besoins très pointus, d'expertise pointue. Donc, ils ont décliné des filières pour les élèves ingénieurs de l'ENSAM, par exemple. C'est des profils qui sont super recherchés, ils seront recrutés, ils n'auront aucun mal. Mais qu'en est-il des autres? Vous voyez, donc les filières plus classiques, les filières qui ont été développées depuis longtemps, qui se renouvellent pas, qui n'introduisent pas disons toute la technologie récente, etc., ben évidemment qu'il y a des difficultés à s'insérer. Donc, il faut aussi que l'université soit à l'écoute des besoins du marché. Une filière dont les lauréats restent au chômage, il n'y a pas besoin de continuer, il faut arrêter parce que sinon, c'est criminel de continuer des filières où il n'y a pas de recrutement, vous comprenez? Oui. Donc, au moins, la remettre au goût du jour, même si on garde la même thématique, mais la mettre au goût du jour avec les nouvelles technologies qu'il y a et on facilitera en tout cas l'insertion. Maintenant, la problématique dont on a parlé tout à l'heure, c'est la capacité d'absorption de ce tissu économique. C'est ça la problématique. Il n'y a pas assez d'entreprises d'industrie au Maroc. Donc, c'est pourquoi il faut que certains créent des entreprises pour qu'ils soient recruteurs, pas en recherche d'emploi. Et donc, il faut qu'il y ait ce mouvement aussi quand même. Ouais. D'accord, je vois. En fait, Madame Karima, il y a un sujet par rapport aux étudiants qui entrent à l'université. À travers les années où j'ai étudié ou le programme par exemple de l'entrepreneuriat ou autre, est-ce que les étudiants ou les étudiants ou là plus de motivation d'abord maintenant ou même au niveau de
les collèges ou les lycées. Je participe à plusieurs compétitions d'entrepreneuriat, par exemple. Quand tu as des jeunes étudiants, des jeunes élèves du collège ou lycée qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. So, j'imagine que Adnas a dominé Radio Slo, le Moussaoua Diel Jamia, beaucoup plus motivé qu'une personne qui reste C'est sûr, Donc, comme si il y a les générations, les promotions et tout. Oui, alors en fait, ce que je peux vous dire en toute sincérité, c'est que les jeunes avec qui on travaille, Naya, avant même le statut, mais beaucoup plus maintenant avec le statut, parce qu'avec le statut, on concrétise, c'est-à-dire on voit des entreprises qui se créent. On a beaucoup de plus en plus de startups au niveau de l'université qui se créent, des SARL, on a beaucoup d'auto-entrepreneurs, ça devient concret, mais le nombre, il est très réduit encore. Cette année, par exemple, on en a 6 qui vont créer leur boîte. Pourquoi ils ont eu des financements, c'est facilité aujourd'hui. Il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de subventions, il y a des prêts d'honneur. C'est-à-dire que c'est un ensemble. Les choses sont plus faciles à faire aujourd'hui, ils sont accompagnés, les professionnels sont présents à l'université pour les accompagner, donc c'est plus facile. Mais ça reste un nombre très réduit. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui sont investis en entrepreneuriat, qui participent à des compétitions, qui assistent aux ateliers, donc les ateliers sont des ateliers où ils apprennent en faisant, donc ils sont acteurs de l'apprentissage, ils s'imprègnent des choses. Donc un étudiant qui commence et 3 mois après, ce n'est plus le même, son profil a complètement changé. D'abord, il s'épanouit. Il développe la confiance en lui-même, il est conscient des capacités qu'il a, alors que, vous savez, nous, on est très… on est le premier censeur, c'est nous avec nous-mêmes. On est très critique envers soi, on est très… alors que quand on travaille en entrepreneuriat, d'abord, on améliore un peu l'estime de soi, on reconnaît ses capacités, ses compétences, on peut dire « oui, ça, je sais faire, oui, je suis assez bon dans ce domaine-là, ça, je ne sais pas, mais je suis prêt à apprendre ». On est plus en accord avec ce qu'on est, on accepte ses forces, on accepte les choses à renforcer, etc. Les étudiants, nous, qu'on accueille à l'université, sont des gens plutôt introvertis. Ils ne s'expriment pas beaucoup parce que pendant leur cursus, on ne leur a pas donné l'occasion de s'exprimer ou de partager des avis ou de ne pas être d'accord. Notre système éducatif, système qui aide à l'initiative. Vous voyez, il faut qu'on soit quand même critique aussi par rapport à nous-mêmes. Exact. Et le fait d'introduire l'entrepreneuriat dans les lycées, vous savez, on a des grandes associations et ONG internationales qui interviennent aussi chez nous dans les universités marocaines, Inges le Maghreb, Enactus, l'entrepreneuriat social, mais c'est une école pour les jeunes. Vous savez comment ils s'épanouissent, comment ils se révèlent, ils se métamorphosent, c'est l'épanouissement, ils sont très ancrés, ils sont en accord avec ce qu'ils sont, ça fait vraiment plaisir à voir. De ce point de vue-là, je vais vous dire, l'impact, il est palpable, on le voit, on le sent. Un jeune qui s'est investi dans un club Enactus ou qui a travaillé avec Inges sur les juniors entreprises ou qui a adhéré au statut, qui a participé aux ateliers, etc., il se métamorphose. En quelques mois, ce n'est plus la même personne. Est-ce qu'il sera entrepreneur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, lors d'un entretien d'embauche, il va regarder dans les yeux la personne qui l'interroge. Il va être, il va savoir se comporter et il va savoir gérer ses émotions pour répondre, pour se mettre en valeur, pour montrer les capacités qu'il a, pour montrer ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Alors qu'en temps normal, un jeune classique de l'université, il rentre dans un entretien d'embauche, il regarde par terre, la personne lui parle et il ne la regarde pas dans les yeux, il est vite déstabilisé. Vous voyez, c'est vraiment le profil type de quelqu'un qui a été toujours passif pendant son cursus, à l'école, au lycée, à l'université. Personne ne lui a dit « tu penses quoi? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il te manque quelque chose? » On ne pouvait pas, il y a une masse d'étudiants, on ne peut pas, c'est-à-dire les conditions ne permettaient pas ça.
le fait de s'ouvrir sur ces clubs, le fait d'avoir toute une vie estudiantine qui est prise en charge, où il y a du sport, il y a de la musique, il y a des arts, il y a... Mais la personne s'épanouit, évidemment. Donc, il faut créer aussi les conditions pour un bon apprentissage. Et tout cela est nouveau dans les universités marocaines. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont super épanouis. Maintenant, il y en a, ils sont là, on ne sait pas pourquoi, ils ne le savent pas eux-mêmes, mais c'est une minorité. Et c'est une question d'orientation aussi. Vous savez bien, c'est souvent par défaut qu'ils se retrouvent dans les établissements accès ouverts. Il y en a peu qui viennent par conviction de vouloir être juriste ou gestionnaire. Donc ça aussi, j'espère que ça va se réguler et que les jeunes vont comprendre que ça ne sert à rien de passer 4 ans ou 5 ans dans une faculté parce que de toute façon, il va sortir sans diplôme. Il ne s'investit pas, il ne travaille pas. Donc, il faut que par lui-même, il aille bosser direct. Tout le monde n'est pas obligé de faire des études universitaires. On le fait si on a envie. C'est pas une obligation. Hein, c'est pas... Donc, à un moment donné, c'est une prise de conscience aussi. Ils vont voir tous ceux qui sont sortis sans diplôme et qui ont perdu leur temps alors qu'ils auraient pu faire de l'argent en faisant du business, en faisant des choses. Ça va se réguler, je suppose. Non, vous avez raison. Le niveau... Pardon. Oui, le niveau dans ces établissements à accès ouvert va se rehausser parce que là, si vous regardez les pourcentages, d'abord, en combien d'années est-ce qu'on décroche sa licence dans une faculté à accès ouvert? Combien d'années on décroche sa licence? Combien sortent avec un diplôme? Mais ça vous donne envie de pleurer, quoi. Vous vous dites, c'est pas possible, avec autant d'énergie, autant de moyens mis pour l'éducation de ces jeunes, et il y en a si peu qui sortent avec un diplôme, et si peu qui ont leur licence dans le temps imparti normalement, voyez? Donc, il y a un souci d'orientation, il y a un souci aussi d'engagement et de conviction. Je suis là, mais qu'est-ce que je fais? Je n'étudie pas, mais pourquoi je suis là alors? Donc, tout ça fait que c'est une perte finalement pour tout le monde, pour l'État qui investit autant d'argent pour l'enseignement, pour l'étudiant qui perd son temps parce qu'il n'a aucune intention d'étudier et de sortir avec un diplôme. Donc, c'est un gâchis absolu. Donc, il faut quand même que tout le monde se responsabilise. Et l'étudiant et tout le monde en disant « Ok, on est là, c'est pour avoir un résultat, je suis là pour un certain temps avec tel objectif. Je ne suis pas là, je ne fais pas de la dilettante, je traîne dans une université, je perds mon temps, les années passent, les années sont précieuses, tu peux t'épanouir, faire plein de choses. » Donc, le jour où on aura des gens parce qu'ils ont envie d'être là, évidemment que les résultats seront meilleurs, évidemment qu'on pourra s'en occuper mieux et évidemment que dans leurs études et dans leur parcours professionnel. Ouais, vous avez raison. En fait, d'abord, le mouchkil, qu'est-ce que je vois d'abord l'université. Vous m'entendez, Madame Karimayek? Absolument. Oui. D'accord. Alors, d'abord, l'université, qu'est-ce que vous avez dit, lycée. Donc, qui juge les ministères? بحال كل مينيستر كيخدم ما عرفتش كيفاش نقول لك مي بحال يا با دو كومونيكاسيون انتر لي دو مينيستر يعني ديال لونسينمون ما عرفتش كيفاش كيتسموا المينيستر ديال لونسينمون اللي في الليسي وقبل الليسي ليدوكاسيون ناسيونال اي لونسينمون سوبيريور بيان vous savez on a souvent eu le même ministre pour les deux pour l'éducation nationale l'enseignement supérieur ce qui devait pas être facile mais vous avez raison de dire que il faut qu'il y ait évidemment le lien. Il faut, vous savez, nous par exemple à l'université Mohamed V, on va souvent dans les lycées, ne serait-ce que pour partager la science. Il y a beaucoup d'événements avec les lycées. On va souvent dans les écoles aussi primaires pour faire des ateliers. Les sensibiliser par exemple au recyclage, les sensibiliser à la robotique, vous savez, c'est des ateliers ludiques. Donc il y a cette ouverture, c'est-à-dire il y a un élan de l'université vers les plus jeunes pour leur parler des métiers, pour leur tout ce travail est fait. La problématique, c'est comme si finalement faire des études supérieures c'est nécessaire. Pas forcément, il y a des gens qui ont le bac et ils sont bien plus riches que nous parce qu'ils ont des aptitudes, des capacités à faire de l'argent par le business.
pourquoi tu fais ça et tu viens par principe, genre je suis aussi étudiant. Pelle si c'était ça donnait du grade un peu. Alors que ça, c'est dans l'esprit des gens, c'est dans la mentalité des gens. Ça fait bien d'être étudiant, mais pas du tout. Tu perds ton temps si tu n'as pas l'intention d'étudier, de t'investir. Tu perds ton temps et puis tu plombes en fait même la qualité à l'intérieur parce que vous êtes trop nombreux, mais pas tous intéressés par ce qui s'y passe. Donc moi, je pense que vraiment, c'est là où il y a une problématique. Donc au niveau de l'orientation, il faut orienter vers… d'abord, il faut être à l'écoute de l'envie de ce jeune. De quoi il a envie? Qu'est-ce qu'il a envie de faire de son temps et de… il y a aussi cette problématique aussi de l'orientation. L'orientation, c'est un grand problème. Ça, moi, c'est sûr. Mais en fait, quand vous parlez en fait d'ouverture d'Yale, à l'université Mohamed V avec les lycées, mais là, vous parlez de Rabat. Mais il y a pas que Rabat en fait au Maroc. Par exemple, en fait, moi, j'habite le Hajeb, donc je pense pas. On a même reçu l'université d'Yale Moulay Ismaïl ou la Dar Mehraz ou la Cheikh Hajeb, parce que j'ai au niveau d'Yale lycée le Hajeb pour le centre de ces avant, à l'époque. Mais enfin, maintenant, oui. ça maintenant, je ne sais pas. Vraiment. Depuis une dizaine d'années, les choses ont changé. Il me semble, je me trompe peut-être, je ne connais pas toutes les régions. Quand on faisait de la formation de formateur pour les enseignants en entrepreneuriat, on ne s'est pas limité au niveau de Rabat. On est allé à Oujda, on est allé à Fès, on est allé à Meknès. Les autres collègues ont été de l'autre côté, donc jusqu'à Agadir, Marrakech, tout le sud, etc. En tout cas, l'entrepreneuriat, l'expérience que je vous ai racontée, c'est vrai qu'elle n'était pas, elle n'a pas continué au-delà de 2014 dans toutes les universités. Nous, on était vraiment très, très engagés, très convaincus de continuer. Mais dit que la période 2010-2014 des modules obligatoires transversaux, tout le monde l'a expérimenté ça. Donc, tout le monde a dû signer des partenariats avec la CGEM, les CJD, les centres régionaux d'investissement qui avaient été créés après. Cette ouverture était nécessaire pour qu'ils viennent justement animer tous ces modules en entrepreneuriat. Et je pense qu'il se passe des choses similaires à peu près partout, mais dans d'une importance et d'une ampleur peut-être pas égale. Mais en tout cas, ce mouvement existe. Comme je vous disais tout à l'heure, pour la simple raison que tous les lauréats qui sortent dans une région chaque année ne peuvent pas être absorbés par les entreprises qui existent. Donc, c'est juste une réalité qui nous rattrape, Zema. Donc, si on réfléchit un peu, on est obligé de créer des entreprises. Qui va créer les entreprises? Les gens qui souhaiteraient le faire ou qui ont été sensibilisés à le faire et qui savent, qui ont appris à le faire. Donc, voilà, c'est vraiment une obligation quoi aujourd'hui, vraiment. Ouais, c'est cool. Franchement, c'était super intéressant. Atatina bzaf ديال الافكار. En fait, la chose qui est importante, les زعما كانت زعما qui me tenait à cœur, هي ان يعرفوا الناس ان l'université كدير واحد الخدمه. يعني حيت بزاف ديال الناس كيكريتيكيو لونيفرسيتي ماروكان ولكن ما عرفتش ان كاين واحد الخدمه كدار يعني ربما كاين بزاف دوطخ مثلا كنهضروا على لورينتاسيون راه واجب على كاين جمعيات اللي يقدروا يدخلوا في هادشي ديال لورينتاسيون كاين جو سي با يا بتات دوطخ زورغانيزم اللي يقدروا يعاونوا في هاد لا سونسيبيليزاسيون بتات ان انفلونسور في السوشيال ميديا يقدر ينفع في هاد القضيه هادي دونك بحال اللي بغيت نوصل زعما هو ان كاين واحد الخدمه كدار خصنا كاملين نتعاونوا باش نوصلوا لهاد لي جون ان في لونيفرسيتي راهي ماشي غادي يمشي غير باش يجلس ولا باش ينعس ولا باش ياخذ واحد ديبلوم في الاخر ديال الفورماسيون ديالو اولا يقدر كاع ما يوصلش كاع لهاد ديبلوم ولكن راه كاينين بزاف ديال الحوايج اللي يقدر يتعلمهم ويقدر يديرهم وكي فون بورتي لا فالور لا سوسيتي تو دونك سي سا لانتيرسون بحال تبدل ديك الصوره اللي كاينه النمطيه على لا فاك ماروكان ولا لونيفرسيتي ماروكان وتولي بلوس زعما تكون بوزيتيف زعما باش حتى الانسان ملي يدخل Ouais, vous voyez ce que vous venez de décrire là? En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de se responsabiliser. Si l'étudiant se responsabilise dans son apprentissage, si il prend le temps
de se connecter à lui-même. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Juste qu'il se pose ces questions-là. On va déjà résoudre une bonne partie du problème. Parce que l'université aujourd'hui, elle est tout à fait consciente que c'est l'étudiant qui est au centre de l'apprentissage. Nous, on a compris ça. On sait que c'est être au service de l'étudiant par rapport à ses besoins, par rapport à son niveau, de qu'est-ce qu'il doit renforcer, quelles sont les lacunes qu'il a, qu'est-ce qu'on met en place pour lui permettre de rattraper son retard. On a mis en place le tutorat, on a mis en place énormément de choses, les remédiations. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour améliorer la qualité, le rapport, la connexion avec l'étudiant, comprendre, entendre quels sont ses besoins, etc. Maintenant, il faut qu'il se responsabilise, lui, et qu'il exprime ce qui va et ce qui va moins bien, mais surtout qu'il se comporte de manière responsable dans ses choix. Tu ne t'inscris pas dans une université pour passer 3 ans ou 4 ans et sortir sans rien. C'est juste pas possible. La première année, tu vois que ça ne te convient pas, tu arrêtes les dégâts, tu ne vas pas continuer à perdre ton temps. Donc, c'est vraiment se responsabiliser aussi. On n'étudie pas pour faire plaisir à ses parents. Tu ne veux pas faire ça, il faut que tu sois adulte, tu es un jeune adulte, tu discutes avec tes parents, et tu dis, voilà, moi, mon choix, ça va être ça, je vais faire ça et ça. Qui se responsabilise. Et je pense que c'est ça qui manque aussi. Oui. Cette capacité de décider, de faire ses choix et de les assumer, évidemment, il faut assumer ses choix après, derrière. Mais ça manque beaucoup parce qu'on a aussi cette tendance au Maroc, c'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute de l'autre. Donc, si ce n'est pas la faute des parents, c'est la faute du gouvernement, c'est pas le gouvernement, c'est la faute. C'est toujours la faute de quelqu'un, c'est jamais la nôtre. Donc, à un moment donné, si chacun assume sa responsabilité, on peut y arriver parce que chacun va assumer sa part de responsabilité et on peut faire évoluer les choses. Mais si on jette toujours la faute sur l'autre, c'est qu'on ne se responsabilise pas sur… c'est pas un comportement normal, quoi. Donc, pour évoluer, chacun prenne sa responsabilité et l'assume. Oui, vous avez complètement raison. C'est une question de l'aqliya, de l'éducation, de bzaf, de l'hawaïj… qui sont regroupés. Oui, mais d'abord, avec de l'ouverture, n'est-ce pas, les jeunes sont très connectés aujourd'hui. Ils voient très bien ce qui se passe ailleurs. Les difficultés des jeunes, alors ce n'est pas que chez nous, c'est partout. Les problématiques de l'emploi, c'est partout. Les problématiques d'adéquation avec les besoins du marché, c'est partout. Il y a une grande révolution. Vous avez toutes les technologies, vous êtes mieux placés que moi pour en parler aujourd'hui. Tout est en plein mouvement, en plein changement. Il faut qu'ils montent dans le train, qu'ils aient en marche. Ils ne peuvent pas rester en marge de tout ça. Donc, ils sont les seuls à pouvoir se faire du bien, finalement. Nous sommes que des moyens, en fait. Tout ce qui est proposé aux jeunes, c'est juste des moyens. Donc, ils doivent se servir sur ces moyens. Mais c'est à eux de construire là où ils veulent aller. Vous avez raison. Mais on va y arriver. On va y arriver, Inch'Allah. C'est sûr, Inch'Allah. شكرا بزاف مدام كريمه اون توكا سيتي جو بونس كو وصلنا للخرجه ديال البودكاست سيتي فريمون تري انريشيسون كان زوين بزاف تعلمنا بزاف الحوايج معاك كنشكرك مره اخرى على قبول الدعوه وكنتمنى لكم التوفيق في هاد لا ميسيون ديالكم ان شاء الله ما يكون غير خير و جو فريمون ايبر فيير دو فو ايبر فيير دو دو ترافاي كو فات Merci. J'espère que vous nous visiterez, Inch'Allah, comme ça vous allez rencontrer les quelques entreprises qui sont créées, qui travaillent dans nos espaces coworking et notre, vous savez, on a au niveau de la Cité de l'Innovation de très jolis espaces pour ces étudiants entrepreneurs. Donc, Inch'Allah, Shinhar, venez visiter l'endroit et discuter avec ces jeunes, comme ça peut-être que vous entendrez des choses nouvelles de leur part aussi, la manière dont ils voient les choses et tout, ça peut être intéressant. Donc, on va faire un big Sophia, ça me ferait très plaisir de vous accueillir. Barakallahu fik, shukran bzaf. Donc, voilà. Merci, à très bientôt, on se dit alors. À bientôt, merci beaucoup. Barakallahu fik. Merci Sophia pour l'invitation. Je vous en prie, madame. Au revoir. Bon honneur.